Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale aujourd'hui puisque c'est la vidéo de la FAQ des 1000 abonnés. Voilà, c'est tout simplement pour vous remercier d'avoir été là tous ces premiers mois avec moi. Pas encore tout à fait une année. Donc voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne et je vous en remercie puisque c'est grâce à vous que j'en suis arrivé là. C'est grâce à vous que j'ai 1000 abonnés. Si vous n'étiez pas là pour liker et pour partager, voilà, personne d'autre ne pourrait voir mes vidéos. Et ça, je le dois à vous tous ensemble. Et pour vous remercier, voilà, je fais une petite FAQ, elle sera pas très grande, puisque j'ai pas eu énormément de questions, il y a eu beaucoup de mêmes questions, et donc voilà, je vais vous répondre, et vous allez en savoir un petit peu plus sur moi, sur ma vie, sur ce que j'aime, ce que je prévois de faire sur la chaîne et tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour faire découvrir mon univers, ma passion à d'autres personnes. Ça serait plutôt cool. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est facile. Il suffit de cliquer en bas de la vidéo à droite. Voilà, si vous aimez l'univers que je vous propose, si vous aimez les vidéos que je vous propose, les lives aussi, puisque je fais des lives depuis peu, voilà, ben n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et on va commencer par la toute première question de YellowDrago77, qui me demande comment m'est venue l'idée de faire des vidéos. Eh bien, je ne me souviens pas précisément de comment m'est venue cette idée. Mais tout simplement, ça faisait pas mal de temps que je traînais sur YouTube, un peu comme vous, je regardais pas mal de vidéos, et je me suis dit, j'ai quand même une passion, la passion des jeux vidéo, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'essaierai bien de me lancer, de faire une vidéo, voilà, pour tester, pour voir comment ça fonctionne. Et puis, petit à petit, je me suis prêté au jeu, je trouvais ça... super génial de pouvoir transmettre une passion via des vidéos. Et donc j'ai fait une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Au départ, c'était pas très simple pour moi puisque j'avais pas de matériel du tout. Voilà, je vous passe les détails. Mais petit à petit, j'ai pris goût à vous faire des vidéos, de plus en plus de vidéos. Et maintenant, je suis à une vidéo tous les jours, quasiment depuis le début, hein. Mais c'est vrai que maintenant je fais énormément de jeux vidéo différents. Donc voilà, je ne me souviens pas précisément de comment j'ai eu cette envie, mais voilà, c'est venu comme ça, parce que j'avais envie d'essayer, tout simplement. Et maintenant, tous les jours, j'ai envie de vous faire partager cette passion que j'ai pour les jeux vidéo, et plus particulièrement, vous l'avez deviné, pour les jeux Nintendo, les consoles Nintendo, puisque je les ai connus depuis tout petit. Alors, une deuxième question de Mathieu P. Tu vas faire de nouveaux jeux? Si oui, lesquels? Eh bien, il y a pas mal de nouveaux jeux qui vont sortir sur la Nintendo Switch. Je pense entre autres à Kirby Star Allies, qui sort bientôt au mois de mars, et ça c'est le tout premier jeu que je vais faire sur la chaîne. Il va y avoir les Bayonetta 1 et 2, ceux-là je sais pas si je vais les faire complètement, mais je vais peut-être commencer, et puis on verra si vous appréciez. Et puis normalement il y aura un Bayonetta 3, il y aura une suite, mais ça on ne sait pas encore. Donc voilà, il va y avoir un Yoshi qui va sortir cette année sur la Nintendo Switch. Ça, d'office, je vais le faire. J'adore Yoshi aussi. Si jamais il y a un nouveau Zelda, si jamais il y a un Pokémon en monde ouvert, il y a des tas de jeux qui vont sortir cette année. Donc j'en ferai pas mal. Je vais peut-être en faire découvrir, peut-être à travers un ou deux épisodes, à travers des lives. Donc je ne sais pas encore. Mais voilà. En ce qui concerne la 3DS... s'il y a des jeux qui sortent et auxquels j'accroche, eh bien oui, je les ferai aussi.
Voilà. Alors, vas-tu faire une session privée pour les abonnés avec toi sur Splatoon 2? Oui, je ferai des sessions privées sur Splatoon 2. Le temps me manque pour l'instant, mais pourquoi pas de temps en temps, le soir, si on se rencontre sur Splatoon 2, faire des petites parties privées, ça serait super cool. Donc voilà. Alors, une autre question de Yazid Bouchenkir. Pourquoi le nom de Carpi? Eh bien, c'est tout simple, c'est les trois premières lettres de mon nom et les deux premières lettres de mon prénom. Tout simple, voilà, j'ai pas été... Je me suis dit, bah, est-ce que je vais mettre un pseudo quelconque Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas associer les premières lettres de mon nom et de mon prénom. J'ai essayé et je me suis dit, ah ouais, ça sonne bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai pris ce nom-là, Carpi. Voilà, ça me ressemble, c'est moi, tout simplement. Et quels sont mes futurs projets? Eh bien, je viens d'en parler concernant les jeux qui allaient sortir sur la Switch et sur 3DS. Donc, à voir ce qui va sortir, mais on découvrira tout au long de cette année tous ces jeux qui vont sortir. Je les ferai pas tous, hein, ça c'est sûr, mais une bonne partie. Et du moins, ben, s'il y a un jeu qui sort, peut-être faire un épisode pour le découvrir ensemble et voir si ça plaît à la majorité d'entre vous et pourquoi pas continuer des let's play s'il y a des jeux auxquels vous accrochez vraiment bien. Alors, concernant les projets, j'ai aussi comme projet de faire peut-être plus de découvertes de produits. Plus vous découvrir un peu mon univers, peut-être faire de temps en temps des vlogs. Je suis pas trop fan des vlogs, mais pourquoi pas essayer. Peut-être que ça va me plaire. À essayer, à tester, voilà. Peut-être que quand je prendrai mes vacances, je vous montrerai peut-être un petit peu ce que je fais, mon univers pendant les vacances. Donc pourquoi pas, oui, c'est à tester. Et concernant mes projets, mes autres projets pour la chaîne, c'est plus de live. Peut-être, j'y réfléchis un peu, peut-être moins de vidéos programmées et plus de live, je ne sais pas. Ça dépend de vous aussi, si vous préférez me voir en live le soir, eh bien pourquoi pas faire plus de live et un peu moins de vidéos, moins de let's play programmées et plus de découvertes de jeux en live, pourquoi pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire hein, si ça pourrait vous plaire, plus de live. Alors, des questions de Waldy29. Est-ce qu'il y aura des nouveautés sur la chaîne? Eh bien, je viens tout simplement d'y répondre. Hein. Concernant les nouveautés, nouveaux let's play proposés par les abonnés, par exemple. Ben oui, si vous avez des propositions à me faire, eh bien allez-y. Si vous êtes nombreux à me demander un certain jeu, eh bien pourquoi pas, si j'aime ce jeu et que j'accroche vraiment bien à ce jeu, eh bien, n'hésitez pas à me le proposer, je le ferai volontiers. Alors, quel est ton vrai prénom et ton âge? Eh bien, tout simplement, mon prénom, c'est Pierre. Mon nom, je ne vous le donnerai pas, mais moi, c'est Pierre, donc vous l'avez deviné. Car, c'est les trois premières lettres de mon nom, et puis, c'est les deux premières lettres de mon prénom, qui est Pierre, et mon âge. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sans doute sur des lives, peut-être dans des vidéos, je ne m'en souviens plus. J'ai 38 ans, pour la plupart d'entre vous, ou pour beaucoup de gens, je fais beaucoup plus jeune, je ne fais pas 38 ans. Et oui, j'ai connu les débuts de la Game Boy chez Nintendo, la toute première Game Boy qui est ici, hein, qui est vraiment... génial, j'y ai passé vraiment des heures et des heures et des heures sur cette console qui est vraiment magnifique et géniale. Donc voilà. Alors, une autre question de Waldy29 qui me demande si je compte faire des jeux mobiles. Eh bien, je ne pense pas. Dans l'immédiat, non, je ne ferai pas de jeux mobiles. J'ai déjà fait un petit peu de jeux mobiles au début de la chaîne. J'ai fait un petit peu de Clash Royale, vraiment pas beaucoup, une ou deux vidéos. J'ai fait du Pokémon Go. C'était au tout début où il y a pas mal de gens qui jouaient encore à Pokémon Go. Je crois que là pour l'instant c'est un peu mort,
Même si il y a une nouvelle troisième génération de Pokémon qui vient d'apparaître dans le jeu, pour tout vous dire, j'y ai même pas joué, donc j'y accroche plus vraiment, et je ne fais plus de vidéos là-dessus. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je continue et que je fasse encore des vidéos sur Pokémon Go, sur Clash Royale, sur d'autres jeux, peut-être, mais dans l'immédiat, non, c'est pas prévu. Alors, une autre question de Ace Anto, celle-là m'a fait un petit peu rire d'ailleurs, parce qu'il me demande si j'habite en France ou au Canada. Eh bien non, ni l'un, ni l'autre. Alors, parce qu'il dit aussi, après sa question, car je trouve que tu as un accent du Québec, mais je te suivrai quand même. Alors, je ne suis ni de la France, ni du Canada. Je suis plus proche de la France que du Canada, d'ailleurs, hein, puisque j'habite en Belgique, et la Belgique est juste à la frontière française, dans le Nord, et je parle français comme tous les Français. Pour moi, j'ai pas vraiment d'accent. Bon, c'est vrai, tout le monde a un accent, tout le monde fait partie d'une région, voilà. En France, ben, les Marseillais ont un accent, les Parisiens ont un accent, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, on a tous des accents, voilà, j'ai un accent, certainement, je ne m'en rends pas compte. Maintenant, l'accent canadien est un petit peu plus particulier, et je ne pense pas que mon accent ressemble à un accent canadien. C'est pour ça que je trouvais ça un petit peu comique, cette remarque. Mais hey Santo, non, je n'habite pas en France ni au Canada, j'habite en Belgique. Alors, question de Studio Cookies, qui me demande quelle est ma console préférée. La question est difficile. La question est difficile puisque j'ai apprécié beaucoup de consoles. Maintenant, celle que je préfère, c'est la toute première console de Nintendo, la première Game Boy. Celle-là m'a fait kiffer, mais grave à l'époque. J'étais encore assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années, ouais, 12 ans plus ou moins, quand elle est sortie. Et on a passé des heures sur cette console, elle est tout simplement vraiment géniale, elle est vraiment très très cool, et à l'époque c'était génial. On y jouait, mais tout le temps, c'était des jeux très simples pour l'époque, enfin pour l'époque c'était déjà des jeux évolués, mais maintenant on peut dire que c'est des jeux hyper simples. Certains jeux pouvaient même se terminer en une petite demi-heure, hein, soyons clairs, mais ça reste une de mes consoles préférées. Et ce qui est bizarre, c'est que mes deux consoles préférées, bon, c'est la Game Boy, la première console Nintendo portable, et ma deuxième console préférée, eh bien c'est la Nintendo Switch, vous devez vous en douter, parce que bah, elle est tout simplement géniale. Même si elle a de grosses lacunes au niveau performance, l'univers qu'elle donne, eh bien, ça, on se rapproche de l'utilisation de la Game Boy de l'époque. On retrouve les mêmes sensations, et ça, c'est plutôt cool. J'adore vraiment jouer sur cette console Nintendo Switch. Et de temps en temps, je joue encore sur ma vieille Game Boy pour retrouver ces vieux jeux de l'époque que j'essaie de vous faire partager de temps en temps. D'ailleurs, il y a une vidéo la semaine prochaine qui va sortir sur le deuxième Kirby's Dream Land, que j'ai vraiment adoré. Voilà. Alors, une question de Kevin Bernard du Chaussois qui me demande si j'ai un travail en plus de mon compte YouTube. Soyons clairs, mon compte YouTube ne me permet pas de vivre, loin de là. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Pour tout vous avouer, avec YouTube, je gagne en moyenne 3 à 4 euros par mois. Donc c'est pas avec ça que je vais arriver à vivre et à faire vivre ma famille. Et oui, j'ai un travail tous les jours. D'ailleurs, je suis indépendant, c'est même plus que tous les jours, c'est quasiment 7 jours sur 7. Ça me prend beaucoup de temps à certains moments de l'année, voilà. Mais à d'autres moments, ben, ça me permet
de faire autre chose aussi. J'ai parfois des temps libres qui me permettent de vous partager un peu ma passion et vous faire des vidéos. Voilà, mais oui, j'ai un travail et je travaille beaucoup en général. Voilà, j'adore travailler et en plus je travaille le soir pour vous faire partager ces vidéos que j'apprécie. Et voilà, donc je travaille, oui, et YouTube ne me permet pas de vivre et même pas de pouvoir subvenir aux besoins de la chaîne. Ça me permet même pas d'acheter un jeu par mois. Ça me permet rien du tout puisque j'ai encore en 8 mois de temps j'ai encore touché 0 euros de la chaîne. Voilà, je pense que depuis le début je dois être aux alentours de 40 euros en tout. Voilà, c'est pas grand chose hein. Mais si vous voulez je pouvais vous faire une petite vidéo récapitulative un peu avec les statistiques de la chaîne et de comment ça fonctionne, combien on peut gagner avec une chaîne YouTube. Et voilà, tout simplement. Si vous voulez que je vous en parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, une question de The Neoris. As-tu un animal? Et si oui, comment il s'appelle? Eh bien, j'ai deux chats, tout simplement. Et ils s'appellent Elliot et Felicity. C'est un mâle et une femelle. Donc voilà, si vous voulez voir une photo, pourquoi pas de temps. Dans une des vidéos, peut-être que je vous mettrai une photo si ça vous dit. Voilà, tout simplement. Alors, une question de Armand YouTube. Comment as-tu fait pour avoir autant d'abonnés? Là, je ne saurais pas te répondre. Mis à part que j'essaye d'être le plus rigoureux possible. J'essaye de poster des vidéos tout le temps, régulièrement, chaque jour du moins. Parfois il arrive que je zappe un jour parce que avec mon travail c'est parfois compliqué, mais il faut être régulier, il faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'à certains moments c'est difficile, mais je pense que la régularité ça paye. Essayer de faire quelque chose de qualité, toujours s'améliorer, toujours se remettre en question et essayer d'avoir une belle présentation. C'est ce que j'essaye de faire, donc voilà. Je pense que c'est un tout, c'est un ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner des abonnés. C'est comme ça que vous arrivez sur ma chaîne, que vous vous abonnez, je suppose. Si vous appréciez ce que je fais, donc voilà. C'est tout simple. Alors, Goomba80 qui me demande quel est mon jeu Kirby préféré. Mon Kirby préféré, je pense que c'est le tout premier jeu Kirby's Dream Land sur la Game Boy. J'ai vraiment kiffé ce jeu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Un autre jeu que j'ai vraiment apprécié, c'est un jeu plus récent, qui était gratuit sur la 3DS. Vous le reconnaissez, c'est Team Kirby Clash Deluxe. J'ai fait énormément de vidéos dessus. Malgré tout, ce jeu n'est pas complet. Il manque quelques petites choses à ce jeu, mais il était quand même bien foutu. Il était assez sympa, et on continue d'y jouer ensemble, puisque je retrouve vos Kirby dedans. Mais le tout premier Kirby, Kirby's Dream Land, était tout simplement magique, même s'il est assez simple, et on y arrive facilement au bout. Voilà. Alors, question de B9NZFN. Qui me demande quel est mon âge. Eh bien j'ai déjà répondu à cette question, j'ai 38 ans. Et une autre question de sa part qui me demande quel est mon nom. Eh bien je m'appelle Pierre et je donnerai pas mon nom de famille. Vous en doutez très bien pourquoi, et puis il n'y a pas besoin de savoir comment je m'appelle complètement. Si vous connaissez mon prénom c'est déjà très bien. Voilà, et de toute façon moi c'est Carpi et c'est mon surnom. Et j'aime bien mon surnom, donc voilà. Alors, plusieurs questions de Iceman, qui m'a fait part de ses questions sur Discord. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a un Discord, et je vous invite tous à venir discuter sur Discord. On est assez nombreux maintenant, on est une bonne vingtaine, et c'est assez chouette de pouvoir discuter tous ensemble. Et Iceman m'aide, d'ailleurs, à gérer le Discord, et à gérer tout ça. Et je tiens à le remercier. Et maintenant, sa première question, c'est tu penses quoi de la superbe défaite qu'on leur a mis au PSG?
Écoute, je suis pas trop foot. Pour être franc avec toi, je savais même pas que le PSG a eu une défaite. Donc voilà, moi je ne suis pas très très foot. Même ici en Belgique, je suis pas trop les résultats. Donc je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Oui, mis à part la Coupe du Monde, à part ça, non, je ne les suis pas trop. Donc voilà. Tu fais quoi comme métier? Alors, je fais comme métier, bah, c'est un métier qui est quand même plutôt agréable. Je fais de la glace, je suis glacier et je suis indépendant. Tout simplement, je la fais, je la vends, je fais tout un tas de choses. Donc voilà. Alors, pourquoi avoir choisi Carpi comme pseudo? J'ai déjà répondu à cette question un peu avant. Carpi, c'est les trois premières lettres de mon nom et les deux premières lettres de mon prénom. Comptes-tu faire des jeux sur PC? Eh bien, j'ai essayé dans le courant du mois de septembre. J'ai essayé plusieurs jeux, j'ai fait des petits tests sur la chaîne. Ça n'a pas vraiment trop marché, ça n'a pas trop plu. Donc j'ai laissé tomber. Et non, je ne pense pas que je ferai des jeux PC. J'ai déjà énormément de jeux à faire avec la Nintendo Switch et la Nintendo 3DS. Donc voilà. Maintenant, peut-être que s'il y a un gros carton avec un jeu PC, peut-être que je le ferai. Alors, connais-tu les civilisations? Si oui, aimes-tu? Lequel est ton préféré? J'ai connu Civilisation il y a longtemps. Ça fait très très longtemps que j'y ai plus joué. J'ai joué au tout premier Civilisation. Oui, j'aime bien. J'aime bien ce genre de jeu. Mais ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube? Eh bien, tout simplement parce que j'avais envie de tester moi-même, puisque je voyais énormément de YouTubeurs faire des vidéos. Ça avait l'air assez simple. C'est vrai que ça paraît simple, mais en fait non. Je me suis lancé dans cette aventure comme ça pour tester, et puis je me suis pris au jeu. Et petit à petit, ben voilà, j'ai fait des vidéos, je me suis amélioré, et c'est vraiment pas simple du tout. Mais un conseil que je vous donnerais, si vous voulez vous lancer dans l'aventure de YouTube, eh bien, allez-y, foncez. Ça n'a rien de compliqué. Il faut travailler, il faut toujours essayer de s'améliorer, essayer de faire de la qualité et transmettre sa passion. Et ça, c'est le principal. C'est comme ça que ça fonctionne. Et franchement, pour moi, je suis vraiment très très content. Et je pensais pas arriver à 1000 abonnés pour la fin. Allez, en même pas un an. Donc voilà, je suis super content et de pouvoir partager tout ça avec vous. Alors, Mafia Squad de 77 qui me demande si j'ai déjà joué à Clash Royale. Eh bien oui, j'ai déjà joué à Clash Royale. Ça fait quelques mois que j'y ai plus joué d'ailleurs. J'ai joué un petit peu, mais pas longtemps. Voilà. J'y joue plus. Pourquoi? J'accroche pas vraiment aux jeux mobiles. Voilà, tout simplement. Alors, Malcolm ZX. Qui me demande si je vais acheter Escapiste 2 sur la Switch. Non, je vais pas acheter Escapiste 2 sur la Switch parce que c'est pas. J'ai déjà regardé des petites vidéos sur le jeu. C'est pas vraiment le genre de jeu que j'apprécie. Donc, je vais pas arriver à apprécier. Je vais pas arriver à vous faire peut-être apprécier le jeu. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Donc voilà, j'ai pas envie de vous faire partager quelque chose que moi je n'apprécie pas. Je pense pas que je vais le faire correctement, donc non, je le ferai pas. Voilà. J'ai déjà testé des modes de jeu que je pensais que ça allait être des bons jeux. Et puis j'ai pas accroché. Et donc je ne fais pas de vidéo. Et je ne vous fais même pas de vidéo découverte, puisque c'est pas des jeux que moi j'accroche, donc j'ai pas envie de vous faire partager quelque chose que je n'aimerais pas. Vous allez peut-être être déçu de la vidéo que je vais tourner dessus, donc je préfère ne pas faire de vidéo dessus et passer mon tour, donc voilà. Et ben voilà, on arrive à la fin de ces questions. Et maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi, un petit peu plus sur la chaîne, sur l'avenir, sur ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié.
toute cette FAQ où je vous réponds à vos questions. Et c'était plutôt cool de pouvoir faire cette vidéo, de parler un petit peu de moi, de mes envies, de ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc j'espère que vous avez apprécié, tout simplement. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et peut-être vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche au-dessus pour les abonnements. Comme ça, à chaque fois que je posterai une vidéo ou que je ferai un live, eh bien vous recevrez une notification et comme ça vous ne raterez pas les vidéos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.